Good morning, Ali. Dans le titre aujourd'hui, le lundi, Shmat Mirva, Bishmuel ben Shlomo Zalman, Anisim ben Ahuda, Sarvat Chana, Chel Shlomo ben Esther, Risha bat Chaim Nechemia, Chana bat Sultana, ainsi que l'enfant d'Avra Mori ben Reuot, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter la 5e minute éternelle, nous étudions Maseret Zevachim, Perikud, Mishnah Chet. Amar Rabbi Shimon, Im Raita Shemen Shu Mitchalek Ba'azara, En Ata Tzrich Lishol Mahu, El Amotar Rekike Minchot Yisrael. ולוג שמן של מצורע. אם ראית שמן שהוא נתון על גבי האישים, אין אתה צריך לשאול מהו, אלא מותר רקיקי מנחות כהנים ומנחת כהן המשיח, שאין מתנדבים שמן. רבי טרפון אומר, מתנדבים שמן. משנה כשדימה לקומפון לא רפור אבק טוס כבי חסדמו, מספרה ומלת שזה תלכל, Alors, Rabbi Shimon nous enseigne quelque chose de sympathique, à apprendre à discerner ce qui se passe au Beth Amikdash. Im ra'ita shemen shumitchalek bazara, si toutefois tu as vu de l'huile qui se faisait partager entre les Kohanim dans l'Azara, il faut savoir, il y a pour tous les rituels de la plupart des Korbanot, il va y avoir des parts qui vont venir aux Kohanim, qu'il s'agisse de parts de viande, qu'il s'agisse de parts dans les menachot, les oblations de blé. Dans les oblations de blé, il y avait plusieurs espèces. Il fallait apporter juste le petit comète, vraiment une petite pincée avec les trois doigts qu'il fallait jeter sur le misbéar, tandis que tout le reste, il était partagé entre les Kohanim. Maintenant, le partage entre les Kohanim, il y avait, j'imagine qu'il y avait des heures de repas, essentiellement de partage, où maintenant, les Kohanim s'installaient, on disait, bon, on a tant de viande à partager entre tant et tant de Kohanim, donc tiens, prends-toi un morceau, et comme ça, et ainsi de suite, d'accord ? Rabbi Shimon vient nous enseigner. Sache maintenant, le but de notre Mishnah va être d'abord de nous parler de l'huile. Ouais, il y a différents, dans plein de situations, il faut faire apporter de l'huile, parce que ça vient accompagner, agrémenter un autre korban, ou ça peut venir de manière indépendante aussi. Le sujet de notre Mishnah va être de savoir, d'aboutir en fait à une marloquette. Est-ce que ça existe de vouloir faire une offrande, un don d'huile uniquement au Beth Amikdash ou non? Ça va être le sujet, mais Rabbi Shimon, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu commencer par la suite de la fin de la Mishnah, qui nous dit, de Rabbi Tarfon, qui nous dit, Nadvin Shemen, qu'on peut faire un don d'huile, pour ensuite revenir en arrière et comprendre qu'est-ce que Rabbi Shimon il a voulu dire avec toutes ces phrases assez complexes. D'accord, c'est pas grave, on va le refaire dans l'ordre, malgré tout. Rabbi Shimon enseigne, Im ra'ita Shemen shi'u mitchalek bazra, si toutefois tu as vu qu'il y avait là-bas le Kohen, responsable de partager les parts entre tous les Kohanim qui sont là pour manger aujourd'hui dans l'Azara, si tu as vu qu'il donnait aussi de l'huile, il demandait de donner à chacun d'apporter son assiette et lui mettait une petite goutte d'huile à chacun, parce qu'il voulait partager cette huile, sache que cette huile, alors, en atatzerchlish ol mahu, tu n'auras pas besoin de te demander pourquoi elle vient cette huile, pour quel type de korban elle arrive. Parce que de deux choses l'une, ça peut être soit de l'un, soit de l'autre, qui sont « Ela, motar rekike minchot Israël ». Là, ce ne peut être que un motar, un reste, un supplément des rekikim, des petits pains. Un rekik, c'est un petit pain, des minchot Israël. D'un Israël qui apportait une offrande d'oblation de mincha. Il y avait plusieurs sortes, on va expliquer tout de suite pourquoi, d'accord ? Je vais juste finir la phrase. « Velog shemen shel metzora » et « ou bien » un log shemen shel metzora. Donc Rabbi Shimon vient nous enseigner. Log shemen shel metzora, d'abord, c'est le rituel du metzora. On avait déjà évoqué l'histoire avec le hacham metzora, la manière de le faire, qu'ensuite il fallait prendre de son sang et de le mettre al tenuch ozen haimanit, val tenuch boen yado haimanit, val tenuch boen reglo haimanit, qu'il fallait le mettre sur l'oreille, sur le doigt et sur le pied. Ça, c'était pour le sang. Il faut même faire aussi le même rituel avec l'huile. Il y a un rituel particulier avec l'huile, de prendre de l'huile dans un ustensile, sans la mélanger avec quoi que ce soit, de partir de l'asperger sur la parochet, enfin plutôt sur le misbéach hazav, qui était à l'intérieur du echal, et ensuite le kohen venait, prenait de cette huile aussi, et il en mettait aussi sur les mêmes endroits, altenu chosen amenit, valben yado imanit, valben reglo imanit, sur les doigts de la main et les doigts du pied droit. D'accord ? Ça c'est le log shemen shel metzora, et donc une fois qu'on a fini ce rituel, toute cette huile, elle pourrait être consommée par les Kohanim. Elle devra même être consommée par les Kohanim, c'est comme un korban. Et donc, on le donnera au Kohanim, et le Kohanim se le partagera. Ça, c'est pour le log Shemen Shemen Sora. Maintenant, on revient un petit peu sur les rekikin, les petits pains.
Il faut savoir que on aura l'occasion, les Arachim, d'étudier Maseret Menachot. On découvrira là-bas qu'il y a plusieurs sortes d'oblations et d'offrandes de farine que l'on peut faire. Soit porter de la semoule telle qu'elle, soit en faire des pitim plutôt, des chalot, des rekikin. Il y a plusieurs sortes de pains. Pour ce qui nous concerne en tout cas, il va y avoir en général, dans la plupart des pains, la Torah va aussi nous dire d'apporter une quantité d'huile. Elle va nous imposer en fait la composition de ce pain. Il va falloir prendre l'huile et la malaxer à l'intérieur de la pâte, jusqu'à ce que la pâte, ça va former une sorte de pâte bien huileuse. Ça, c'est pour la plupart des corbanotes. Pour les rekikines, c'est différent. Pour les rekikines, il faut d'abord faire cuire le pain. Je crois qu'il faut d'abord faire cuire le pain. Comme ça sent de la suite, en fait, du bain de noir. Non, je ne suis pas sûr qu'il l'a pas dit au début, mais il l'a dit ensuite, alors je pense que c'est la même chose. Il faut le faire cuire d'abord le pain. Donc on le pétrit à l'eau, on fait cuire, et puis après on prend l'huile. Et selon Rabbi Shimon, l'huile, on fait une sorte de X dessus, ce qu'on appelle un Ki Yevanit. Ouais, c'est une lettre. Le Tiferet Israël explique que c'est le Ki Yevanit. Le Ki, c'est le X. Une croix, en fait, quoi. Et donc on fait sur le pain, on met un petit peu d'huile, un petit aller-retour, et après le pain il est consommé par les Kohanim. Et l'huile aussi, elle sera consommée aussi par les Kohanim, lui qui va rester. À la différence de toutes les autres menachot, où en général, il n'y aura jamais de l'huile indépendante. Étant donné que toute l'huile que tu auras, tu devras la mettre, la mêler avec ta pâte pour la pétrir. Donc il n'y aura pas le pain et l'huile. Il y aura un pain gras. D'accord? Donc c'est ce qu'il nous a dit Rabbi Shimon. Sache que maintenant, si tu vas voir dans la Hazara des Kohanim qui sont en train de se partager de l'huile à boire, ça peut être de deux choses. Une. Soit aujourd'hui, ils ont fait le rituel du Metzora, soit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu avec une offrande de rekikin, de ce qu'on appelle ce petit pain-là, qu'on appelle le petit pain rakik, qui est venu au Beit HaMikdash et qui l'a offert. Donc, du coup, il lui restait de l'huile. Maintenant, il faut savoir, on parle nécessairement que celui qui a apporté cette mincha au Beit HaMikdash n'était pas un Kohen, c'était un Israël. C'est pour ça que la Mishnah enseigne. Elle a motar rekikem minchot Yisrael, qui venait d'un Israël. Pourquoi? Si c'est un Kohen, c'est différent, comme ce que la Mishnah continue en me disant. Par contre, Imraïta Shemen Shiuna Tuna Gabe Aishim, si tu vas voir toutefois un Kohen qui va récupérer de l'huile pour monter le verser sur le feu qui est en haut du Misbeach, là cette fois-ci, du Shemen que l'on brûle intégralement, il y a aussi deux choses, deux solutions. Enata Tserchli Sholma, où tu n'auras pas besoin de demander pourquoi il vient cette huile, qu'est-ce qu'elle a eu spécial, parce que deux choses. L'une, elle a Motar Rekike Minchot Kohanim, que c'est un reste des rikikim que les Kohanim apportent, on expliquait bien sûr, au Minchat Kohen Mashiach, ou encore l'oblation que le Kohen Mashiach doit faire. Et alors là, on explique une grande règle. Là, on a dit que les Menachot, lorsque le Israël va les apporter, on va prendre un petit symbole, la pincée avec les trois doigts, ce qu'on appelle le Kometz, les Kohanim vont partir le jeter sur le Mizbeach, et tout le reste de la Mincha sera consommé par les Bnei Israël, par les Kohanim qui sont dans la Hazara. D'accord? Lorsque c'est un Kohen qui apporte une Mincha, la Torah l'insiste, nous a dit non, le Kohen qui apporte la Mincha, Shirea Enane Chamin, les restes de la Mincha ne vont pas être consommés. Donc il va falloir la prendre entièrement et partir la jeter au feu, la mettre dans le feu du Misbeach. Elle est entièrement brûlée. D'accord? Quel est le Toktar? C'est rapporté dans la Torah. Donc c'est la différence qu'il y a entre les minchot des Kohanim et les menachot des Israël. Les Israël, c'est consommé par les Kohanim, c'est entièrement brûlé. De ce fait, maintenant, la Mishnah vient et nous enseigne la même règle, le même principe. Si tu vas voir qu'on va venir avec un verre où il y aura dedans de l'huile et qu'il y avait un Kohen qui va partir le verser intégralement sur le Mizbeach, sache que cette huile, tu sais d'où elle provient, nécessairement. Soit d'un Rekikei Kohanim, qui a eu une minchat rekikin des Kohanim, ouais, des Kohanim qui ont porté ce korban, que dans ce cas-là, on ne va pas boire l'huile, elle va être entièrement brûlée, et donc il va falloir la prendre dans un verre à part pour pouvoir la porter. Chose qui ne se produit pas dans tous les autres korbanot, puisqu'à chaque fois, je te dis de mélanger toute l'huile dans la pâte. Donc ça va faire une pâte huileuse. Il y a encore une autre exception à la règle, qui est la minchat Kohen Mashiach. La mincha que doit porter le Kohen Mashiach. Kohen Mashiach, c'est le Kohen Gedol, qui a été oint par l'huile d'onction, et il doit porter tous les jours une mincha de Kohen Mashiach, ça s'appelle. Une mincha spéciale, qui sera entièrement brûlée, elle aussi. Et quelle est la singularité de cette mincha? Le Bartonon, elle explique.
elle est cuite au four de nouveau avant que l'on étale l'huile. Après, tu récupères l'huile et donc quelque chose, un pain qui a été cuit déjà avec qui a été cuit, on ne pourra plus le faire absorber une tonne d'huile. Et or là, pour le Kohen Mashiach, la Torah impose d'apporter beaucoup d'huile, donc il va rester beaucoup d'huile. De ce fait, prends cette huile et va la verser sur le misbéach. Ok? Tout ça pourquoi? Chez En Mitnadvin Shemen, parce qu'il n'est pas possible de faire une offrande d'huile intégralement. Je récapitule très simplement tout ce qui s'est passé. Rabbi Shimon, en fait, il a voulu aboutir à cette conclusion. Sache que il n'est pas possible d'offrir de l'huile stam. Il est possible d'offrir une oblation de blé, de pain, de viande bien évidemment, mais pas d'huile et pas non plus de vin. D'accord ? On va en parler dans quelques secondes du vin quand on va arriver à Rabbi Tarfan et au Bartenora. Mais pour le moment, c'est le principe de Rabbi Shimon. Donc on ne fait pas un cadeau d'huile. De ce fait, si tu vois qu'il y a de l'huile qui est soit consommée par les Kohanim, partagée, consommée par les Kohanim, soit qui monte au Mizbeach, elle ne peut avoir que deux sources. Si elle est consommée, c'est soit un lot que j'ai mangé à Mitzora, ou soit c'est le reste de la Minchat Rekikin dans Israël. Et si tu vois qu'elle monte au Mizbeach, alors de deux choses l'une. Soit ça signifie qu'on a essayé de faire une pâte, mais que ça ne s'est pas bien absorbé. Donc soit c'est parce qu'on parle d'un Minchat Rekikin des Kohanim, ou soit c'est parce qu'on parle d'un Minchat Kohen Mashiach. D'accord ? Rabbi Tarfan Omer, Mitnadvin Shemen, Rabbi Tarfan Omer nous dit non, sache qu'il est possible de faire une offrande d'huile et d'aller la porter au Misbeach et de la verser entièrement sur le Misbeach. Et au même titre aussi, le Barthénora nous rapporte aussi, qui discute aussi, qui pense qu'on a le droit aussi de faire une oblation de vin aussi. De manière générale, on rencontre le vin, surtout lorsqu'on va faire un korban, que la Torah elle va te dire, tu sais, si déjà tu vas porter une BMA, alors apporte aussi, je t'impose aussi d'importer une certaine, de verser aussi du vin sur le misbeach. D'accord? On versait le vin, il y avait la badichitine, plutôt on ne versait pas dans le feu, je crois. Même si ici, ça ne s'arrange pas tellement bien. Mais en tout cas, ça se passe comme ça. Donc on pouvait aussi faire une offrande de vin. Ce n'était pas obligé d'attendre, d'apporter un korban avec avec un animal pour apporter aussi du vin. Tu peux aussi, Khatrila, après apporter du vin. Et alors là, le Kohen, il le prendra, il le montera sur le feu, il le versera sur le feu. Pas dans les chitines, mais il le versera directement sur le feu. Bartonora rallonge sur un petit problème technique. Et comment c'est possible d'éteindre le feu du Misbéar? Il y a une mitzvah tassée de laisser le feu brûler. Et de répondre aussi que Enomit Kaven Chabot Charé, il n'a pas l'intention explicite de d'éteindre le feu, bien au contraire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.